Maintenant, corriger l'exercice 2. Alors, établir que l'équation exponentielle de x égale 1 sur x carré d'inconnu x est une solution alpha, notée alpha, donc appartenant à 1,1. Alors, on va utiliser le théorème de valeur intermédiaire. Remarquons que l'exponentielle de x égale 1 sur x carré, ce qui vaut 1 x carré exponentielle de x égale 1 équivaut x carré exponentielle de x moins 1 égale 0. Donc on va appliquer TVI sur phi. La première roue alors premièrement il faut montrer quoi? Il faut montrer que cette équation a une solution dans l'intervalle 0 bis infini. Vous pouvez vérifier que cette solution est dans l'intervalle 1,1. Phi et continue. Produit bien sûr les différences de deux fonctions conjugues. On a phi est dérivable. Sur 0 plus infini et quel que soit x, fractionnement positif, on peut vérifier que la ligne de phi égale à 2x plus x carré moins l'exponentielle de x qui est fractionnement positif. Donc, et strictement croissance sur 0 plus infini. Donc il reste à vérifier que 0 appartient à phi de 0 plus infini. Donc, il suffit de vérifier et calculer cet élément du système d'intervalle par f. On a phi de 0 plus l'infini égale à limite de phi de x correspond vers 0 plus limite de phi de x correspond vers plus l'infini. Alors, si on calcule la limite de phi de x correspond vers 0, on trouve c'est moins 1. Moins 1. Limite en plus infini, c'est plus infini. Donc cet intervalle est égal à 0 plus infini, il contient évidemment 0. Donc 0 appartient à phi de 0 plus infini. Donc il existe un alpha unique appartenant à 0 plus infini, tel que phi de alpha est égal à 0.
Bah, tranquille. Il suffit de rentrer. F2 fois F2 strictement négatif. Voilà. F2 1, si on remplace par 1 ici, c'est 2 moins 1 positif. Et F2 U à la puissance 1,5 sur 4 moins 1 sur racine de U moins 4 divisé par 4 qui est strictement négatif. Donc, F de 1 multiplié par F de 1,5 strictement négatif, d'où alpha appartient à l'intervalle. Maintenant à la question suivante. On considère l'ensemble U qui est 0 plus l'infini croix R de R carré et l'application G définie sur U par représenter U. Alors, la représentation du U comme ça. Carré. Alors, i il est comment? X il est positif, on doit choisir x ici. Mais y il est dans R. Y on doit choisir ici. Y il est libre, mais x il est ici. Donc. Ça veut dire que l'ensemble des x, y, et que x est positif. Question suivante. Alors, calculer pour tout x, y, u, les dérivées partielles première de g. B, la dérivée de g par le point x, point x, y. Donc, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Dérivée exponentielle, c'est plus exponentielle de x. Ça, c'est 0. Et la dérivée de g par rapport à y, xy, c'est, ça, c'est 0, ça, c'est 0. Et la dérivée de ça, c'est, il faut dériver un produit. Dérivée moins y carré, puis dérivée exponentielle de y en utilisant la règle du produit. On va trouver quoi? Dérivée de y, exponentielle de y, moins y carré, exponentielle de y. Donc ça va donner quoi? C'est moins 2y plus y au carré, exponentielle de y. Pour la question suivante, montrer que G admet deux points critiques. Quels sont les points critiques? C'est XY, point critique. Le G, point critique. La dérivée de G par rapport à X. XY égale 0. La dérivée de G par rapport à Y, point XY égale 0. Ceci équivaut à quoi?
exponentielle de x moins 1 sur x carré égale 0 et moins 2y plus y carré exponentielle de y égale 0. Ceci équivaut à quoi? Exponentielle de x égale 1 sur x carré. Et si ça c'est différent de 0, on peut simplifier par ça, il est différent de 0, moins 1 différent de 0, il reste y facteur de 2 plus y égale 0. Alors, on sait que d'après la question 1, cette équation a une solution unique. C'est donc positif, ça va, x égale alpha. Et y égale 0, ou y égale moins 2. Donc, point critique, savoir alpha 0 ou alpha moins 2 de point critique. Maintenant, il faut déterminer la valeur de chaque. Pour déterminer la nature de chaque point critique, on va commencer par la nature de du point alpha 0. Alors on doit calculer la matrice hessienne générale. Hessienne de f de x, y, c'est quoi? On dérive 1 sur x, ça donne moins 1 sur x carré, plus exponentielle de x. On redérive 1 sur x au carré, prime, c'est x plus 2, moins 2, pardon, prime. Égale à moins 2 x à la puissance moins 2 moins 1 qui est égal à moins 2 x à la puissance moins 3 qui est égal à moins 2 sur x à la puissance 3. Donc ça va donner ici. Alors ici c'est lié à moins déjà, donc ça fait 2 sur x à la puissance 3 plus x exponentielle de x. Alors ici on a dérivé par rapport dérivé par rapport à x, on redérive par rapport à y. C'est 0, ici 0. On dérive par rapport à y. On a montré que la limite de g par rapport à y. Pour x, y, c'était moins 2y plus y au carré exponentielle de y. Maintenant, on va dériver g deux fois par rapport à y. Alors, ça c'est quoi? La dérivée de ça c'est 2 plus 2y pour exponentielle de y moins plus. Y plus y au carré exponentielle de y. Donc finalement c'est moins y carré plus y plus 2y plus 4y plus 2 exponentielle de y. Donc ça c'est moins y carré plus 4y. Ça, ici, on est. Alors, si on remplace par alpha, donc on a le hessien de f plus value au point alpha 0, ça donne, donc y égale 0 ici,
2 sur f sur 3 sur la puissance alpha, et c'est 0 et c'est 0, oui. On remplace x, y par 0, ça va donner moins 2. Donc, l'hessien de f par alpha 0, strictement négatif, puisque tout simplement c'est. Alors, le déterminant c'est quoi? Sur la matrice diagonale, le déterminant c'est moins 2 fois 2 sur alpha à la puissance 3, plus exponentielle alpha, ça c'est strictement négatif. Donc, f présente un point CL en alpha 0. Donc, on passe la sur 2 point alpha moins 2. On a le hessien de f de valeur alpha 2 égal, si on remplace, c'est 2 sur alpha sur 3, plus exponentielle alpha, c'est 0, 0. Et si on remplace ici par moins 2, c'est l'exponentielle du grec. Exponentielle du grec, exponentielle de 0, c'était 1. Alors la première question n'est pas là. Donc si on remplace y par moins 2 au carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Moins 8, ça fait moins 4, puisque c'est moins 2, avec le moins qui est là, c'est 2. Donc, ici, un de f. Deux fois, deux sur alpha, deux sur 3, deux sur 3, c'est alpha, deux sur 3, c'est positif. Alors maintenant, donc, puisque ça c'est positif, donc j'ai admis un extrémum. Pour chercher, pour déterminer cet extrémum, on a la dérivée de g carré par rapport à x carré, point xy, égale u value au point alpha, moins 2, ça donne 2 sur alpha à la puissance 3 plus exponentielle alpha plus distribution positive. Donc, G admet, pardon, ici c'est signe de G et signe de G, donc on parle toujours de G, admet un minimum de local alpha moins 2. Voilà, donc je crois que c'est la fin.